bien, bonjour, je suis ravie de vous revoir pour une nouvelle émission sur les secrets de l'univers. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un thème des plus passionnants qui est le temps. Alors, très souvent, on emploie des expressions « le temps, c'est de l'argent »,« prends le temps de vivre » ou « le temps des cerises ». Alors, qu'est-ce que le temps ? Eh bien, pour cela, nous allons poser la question à Monsieur Mario Cosentino. Monsieur Cosentino, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission. Alors, pour notre deuxième émission, on va parler du temps, mais avant, vous avez deux petites nouvelles à nous annoncer. Eh bien, ces deux nouvelles concernent notre première partie, puisqu'on a quasiment terminé la partie en disant qu'il faut s'attendre à deux grands bouleversements. Mm-hmm. Le premier concernant le fait que l'univers il a un âge trop court. Mm-hmm. On précise bien que c'est... Il s'agit d'un âge trop court, mmh. et ce temps, il va falloir donc, eh bien, en guillemets, le vieillir. D'accord. Voilà. Alors, cette nouvelle concerne donc la revue, la recherche, oui. qui vient de sortir, donc du mois de juin, où on vient d'observer deux amas de galaxies très très près du Big Bang. Je vous lis que le titre, c'est « Les amas de galaxies plus anciens qu'on ne le pensait ». D'accord. Vous avez anticipé, alors. Voilà. Donc, Je suis content que ça rende nos émissions crédibles. Exactement. Exactement. Et la deuxième ? Alors la deuxième concerne cette énigme tenace qu'est la matière noire, oui. où des chercheurs travaillent sur la superfluidité. On expliquera ça dans nos émissions. D'accord. Et maintenant, on commence à associer à la superfluidité que ça pourrait être de l'hélium. Et là aussi, on réserve des surprises pour les prochaines émissions. Donc, deux bonnes nouvelles. D'accord. Deux bonnes nouvelles. Et puis, que ça continue. Très bien. S'il y en a d'autres, hein, vous intervenez, bien sûr. C'est très gentil. Merci. Mais... vous savez que je suis intarissable. Hein. Oui, je sais. C'est pour ça que je vous arrête. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Comme je disais à nos auditeurs, je vais vous poser la question, qu'est-ce que le temps ? Très grande question, très grande question. Et beaucoup de réponses, hein, d'après ce que j'ai compris. Beaucoup de réponses, et là aussi, on est obligé de contracter le temps, hein, oui. le condenser. Alors, tout simplement, il y a le temps, on va dire, classique, le temps de tous les jours, les expressions de tous les jours, et puis il y a le temps des physiciens. Ouais. Alors, en quelques mots, le temps, c'est le changement. Dès le moment qu'on voit que les choses évoluent, ben, c'est évident qu'il s'est passé du temps. Alors, maintenant, on se pose la question aussi, et dans un univers où il y aurait l'absence de tout. Mm-hmm. C'est difficile à s'imaginer, mais on peut s'imaginer qu'il n'y a rien dans l'univers, absolument rien. Mm-hmm. Aucun repère, aucun point. Est-ce que le temps existe dans ce cadre-là ? Alors, on s'imagine qu'il n'y a plus rien, est-ce que le temps existe ? Est-ce que ça a un sens de se poser la question ? On n'en dit pas plus, on laisse à chacun de réfléchir là-dessus. Alors... quelque chose qui, moi ça m'a plu, hein, bien sûr, dans la mesure où ça apporte un peu d'humour dans nos émissions. Si je vous dis que le temps a commencé en Italie. Ah, ça m'intéresse. Voilà. Alors, moi je suis d'origine italienne. Moi aussi. Voilà. Voilà. Je suis très intéressée. Donc je répète, le temps a commencé en Italie. Bon, alors maintenant un peu plus de sérieux. Eh bien, pourquoi on dit ça ? Parce que c'est par Galilée. Galilée qui est considéré en physique comme le premier grand physicien. Et c'est lui qui a introduit, alors que le temps existait avant, bien sûr, bien hein, sûr ça rassure tout le monde, hein, et bien c'est lui qui l'a introduit dans les équations. D'accord. Comme étant un objet de la physique. D'accord. Voilà. Nous avons après, donc, des questions du genre, est-ce qu'on peut figer le temps ? Oui. Je une pense photo ? Voilà, très bien. Prendre une photo ? Voilà. Prendre une photo, c'est vraiment faire un instantané sur un présent. Exactement. Sur ce qu'on appelle en physique, sur un point. D'accord. Parce que le temps, c'est quelque chose de linéaire, un passé, un présent, un futur. Mmh. Et ce présent, on peut même le définir comme étant un point. D'accord. Et quand on regarde une photo, eh bien, on regarde le passé. Le passé. Oui. Voilà. Ça ne fait pas toujours plaisir. Oui, Mais... et parfois, ça fait plaisir. Et parfois, ça fait du bien. Très bien, on se comprend. Alors, du coup... un exemple que le temps, c'est un changement. Oui. Si je prends un glaçon, je le mets dans l'eau. Bon, c'est de l'eau et un glaçon. Mmh. Je regarde. J'ai besoin de montre. Parce qu'il fut un temps, il n'y avait pas de montre. Il y avait d'autres repères, mais pas la montre. Eh bien, que se passe-t-il au fil du temps, et on se met à une époque où il n'y a pas de montre, eh bien, on se rend compte que finalement, le glaçon va disparaître. Mmh. Bien, c'est évident qu'on va se dire, il s'est passé du... En guillemets, c'est passé du temps. Oui. Entre le fait d'avoir mis le glaçon et le fait que le glaçon ait disparu. Ben, c'est ça. Le temps, c'est le changement. En bien ou en mal, bien sûr. Ou en mal, bien sûr.
Alors, concernant donc le temps donc des physiciens, ben, il a fallu à un moment donné, à partir de Galilée, trouver des repères, des mesures de plus en plus précises. Galilée s'est débrouillé avec les moyens du bord, oui, alors qu'aujourd'hui, on a quand même des moyens de mesurer le temps où on arrive à perdre 5 secondes sur 15 milliards d'années. Voilà, c'est plus qu'une montre. Pourquoi cette précision? Parce que nous sommes dans la mesure du temps atomique. On se sert des atomes, on se sert des fréquences, encore du microcosme, d'accord, et ça nous donne une mesure du temps, ça nous donne des horloges atomiques d'une précision. Comme je viens de le dire, on perd 5 secondes en 15 milliards d'années. Nous avons le temps cyclique. Le temps cyclique, comme son nom l'indique, c'est le retour de certains phénomènes. Parce qu'on a vu que le temps, c'est le changement. Et parfois, il y a des choses qui reviennent par cycle. La lunaison, le cycle de l'année, le soleil, le jour, la nuit. Et là, c'est pareil, on s'en est servi pour créer des repères. Puisqu'on n'avait pas encore la montre qui perd 5 secondes en 15 milliards d'années. Nous avons aussi le temps biologique. Alors, le temps biologique, c'est l'exemple de deux personnes qui naissent le même jour, qui naissent quasiment à la même heure, et puis on les regarde 20, 25 ans, 30 ans, voire, admettons, jusqu'à 50 ans après. Mm-hmm. Alors, est-ce qu'ils ont biologiquement gardé la même physionomie? Mm-hmm. Bien, on va se rendre compte que certains vont peut-être vieillir plus vite que d'autres. Voilà. Donc, c'est le temps biologique. Alors qu'il y a le temps de l'administration. Parce que tous les deux ont vécu 50 ans. Mm-hmm. Ça, c'est le temps administratif. Vous voyez, on peut l'ajouter, hein, le temps administratif. Bon, et le temps biologique. Le temps psychique. Oui. Le temps psychique. Le temps psychique, ben, comme son nom l'indique, ça se passe dans l'horloge de la tête. Oui. Et là, les aiguilles, elles peuvent être différentes pour deux personnes différentes. Exactement. Et pour un temps identique. Identique. Bien sûr. L'un va dire, qu'est-ce que c'est long? Qu'est-ce que c'est long? Le temps, mais alors qu'est-ce qu'il est long? Et puis d'autres, ils vont dire, trop vite. Comme si le temps passait d'une vitesse à une accélération. Oui. Très bien. Alors, d'où cette phrase que moi j'aime bien, si ça peut nous aider à être patient, eh bien, plus on va attendre quelque chose, et plus cette chose va se faire attendre. Voilà. Donc, soyons patients. Facile à dire. Difficile à faire. Hein. Nous avons en physique l'entropie. Alors, si c'est pareil, c'est un très grand sujet de thermodynamique, puisque ça reprend le deuxième principe de la thermodynamique. Mmh. Alors, en quelques mots, l'entropie, c'est la mesure du désordre. La mesure du désordre, c'est mettre une bicyclette contre un mur, et puis venir la voir 5 ans après, 10 ans après, 30 ans, dans une ferme, c'est ce qui se produit. D'ailleurs, des fois, on met en dépôt des objets, qu'on oublie, à la limite, qu'on y retourne, et puis on se dit, mais dans quel état Donc si on retourne, voit une bicyclette 40, 50 ans après, est-ce que nous sommes sûrs d'avoir la même bicyclette qu'au début? Sûrement pas. Comme on dit, il ne faut pas rêver. Voilà, pourquoi? Le temps a fait son œuvre. Et oui, par contre, on peut aller contre l'entropie. Il faut une intervention extérieure. Oui. C'est que la personne va dire, elle a besoin d'un coup de peinture. Mm-hmm. Ah, il y a besoin de changer ceci. Bien sûr. À ce moment-là, la bicyclette, on peut la faire durer. Donc 30 ans, 20 ans, bon, bien sûr. Je dirais même jusqu'à 50 ans, pourquoi pas. Là, le temps devient mauvais. Et, et entre le fait qu'il y a un éclair et le fait que, bon, qu'on entend un son, il se passe un certain temps. Donc on ne peut pas échapper au facteur temps. Un dernier point que nous discuterons plus une prochaine émission, c'est le temps concerne aussi la théorie de l'information. Mm-hmm. La théorie de l'information, lorsqu'on traitera sur l'univers, comme un gigantesque ordinateur quantique. D'accord. On retrouve encore ici le quantique comme dans l'horloge atomique avec la précision de... Voilà, ce sera lors d'une prochaine émission. Voilà, c'est très bien. Donc, alors, maintenant, puisque la question est posée, qu'est-ce que le temps? On vient de voir ici de manière globale ce qu'est le temps. Alors, le temps, avant le Big Bang. Oui. Et le temps après le Big Bang. Alors, ce qui concerne le temps avant le Big Bang, alors, il est sûr et certain que pour l'instant, nous n'avons que quelques explications si on se base simplement sur un univers qui est mathématique. Alors, l'idée est celle-ci, en quelques mots. Avant le Big Bang, on fait l'hypothèse, on fait la supposition qu'il existe un temps, mais c'est un temps imaginaire. D'accord. C'est l'univers mathématique où on va travailler qu'avec des nombres. D'accord. Dont ce fameux temps imaginaire. D'accord, mais est-ce que c'est le temps de l'imagination comme nous, humains, nous avons? Très bonne remarque. Et c'est vrai qu'on peut se poser cette question-là.
puisqu'on parle du temps imaginaire. Oui. Alors, comme nous, on aime bien l'imagination, et oui, c'est normal, oui, eh bien, pas du tout. Pas du tout. C'est pas du tout, donc, une cause liée à l'imagination humaine. Mm-hmm. C'est vraiment mathématique. C'est les mathématiques pures et pures, même très dures. Il s'agit d'un plan donc complexe, mais un plan, oui, qui fait appel au nombre complexe. D'accord. Alors, ce plan complexe, en quelques mots, comme tout plan, il nous faut deux axes. Mm-hmm. Un axe horizontal et un axe vertical. L'abscisse, une ordonnée. Et on s'est rendu compte qu'en travaillant avec les nombres complexes, eh bien, il y a une valeur récurrente qui se répète, qui se répète, qui se répète, qui est une valeur de 1,5. Mm-hmm. Alors, j'ai amené donc un petit tableau. Oui. Puisque cette valeur... Alors là, je ne sais pas si on m'entend. Eh bien, nous avons changé de décor, puisque la pluie s'est invitée à notre émission, dans notre émission. Donc, nous sommes à l'intérieur du château et justement, nous voulions remercier M. Olivier Rousseau qui nous a permis eh bien, de tourner dans le cadre magnifique de ce château qui se trouve à Boutéon dans la Loire. Donc, M. Cosentino, on va continuer notre émission. On en était sur ce tableau. Avec plaisir. Donc, on venait juste de parler de ce qu'on appelle la bande critique. Alors, pour ceux qui... nous sommes avant le Big Bang. Oui. Nous allons faire un univers purement mathématique. Mm-hmm. Et parmi les mathématiques, il y a ce plan complexe. Mm-hmm. Et dans ce plan complexe, il y a deux axes. Un axe pour les nombres réels, ben, ceux que nous connaissons, 1, 2, 3, 4. Oui. Et puis, il y a un axe vertical qu'on appelle les nombres imaginaires. Alors, il ne s'agit pas ici de donner un cours sur les mathématiques, mm-hmm, mais on s'est rendu compte que dans ce plan complexe, il y a une bande qu'on appelle une bande critique, où se situe au milieu une valeur de 1,5. Et depuis l'hypothèse de Riemann de 1859, on va dire le 19e siècle, on se pose la question, pourquoi ce 1,5 ? A-t-il une signification réelle avant le Big Bang ? Oui. Alors là, bien sûr, je suis obligé de dire avec plaisir hein, qu'il est sorti un ouvrage des frères Bogdanov. Et pour moi, c'est un ouvrage vraiment très intéressant parce qu'il aborde cette bande critique d'une manière donc mathématique, mais très intéressante, de ce qui aurait pu se produire avant le Big Bang. Puisque l'explication la plus simple, c'est quoi ? C'est que nous avons un temps qui est du coup imaginaire, oui, donc complexe. Il bascule de 90 degrés pour se mettre sur un temps réel. Donc, c'est-à-dire qu'avant le Big Bang, on avait un temps purement imaginaire, oui, purement complexe. Et sur cet axe, il y a un basculement de 90 degrés. Ça devient le temps réel, qui devient le temps après le Big Bang. D'accord. Et là, c'est sûr que c'est un domaine très, très intéressant. Et la question est toujours celle-ci. Pourquoi cette valeur de 1,5 ? Et on se la pose depuis le... on va dire depuis le 19e siècle. D'accord, donc si j'ai bien compris ce nombre d'un demi, il occupe une place bien précise dans le plan complexe des mathématiques. Mais est-ce que c'est toujours une énigme ? Alors, la réponse est celle-ci. Et là, j'essaie d'être le plus modeste possible, parce qu'il est difficile, à un moment donné, de garder toute sa modestie, du moins de la montrer. Eh bien, il semble que cette valeur de 1,5... il y aurait une explication dans le cadre de mon modèle d'univers, le New Big Bang fractal. Pourquoi ? Parce que tout simplement, cette valeur de 1,5 se trouve dans la majorité de mes équations. Équations qui sont indépendantes les unes des autres. Mm-hmm. Mais pourquoi ces équations-là se focalisent-elles sur cette valeur de 1,5 ? Bon, il y aurait deux, trois équations, on pourrait dire ben, c'est le fait du hasard, mmh, c'est le concours de circonstances. Mmh. Mais là, on a affaire à 300, 400 équations. D'accord. Au point qu'aujourd'hui, je ne les compte même plus. Alors, pour on dire que c'est tellement... Quoi ? Oui, non. Juste pour dire que c'est tellement important, cette valeur de 1,5, que l'Institut Clay offre une somme de 1 million de dollars pour celui, bien sûr, qui apporte une explication physique. D'accord. Voilà. Donc, cher public... 1 million de dollars donc, sont mis en jeu pour ceux qui découvrent la signification physique de cette valeur de 1,5 qui se trouve dans la bande critique. D'accord. Merci. La seconde raison qui fait que cette valeur est d'une grande importance, alors maintenant, bien sûr, on vient de parler avant le Big Bang, mm-hmm, alors on va toucher un tout petit mot de cette valeur après le Big Bang, bien, c'est qu'elle concerne justement un univers statique. Puisque cette valeur de 1,5
porte un nom très précis en cosmologie qui s'appelle le paramètre de décélération. Et ce 1,5, il définit simplement un univers statique. Si cette valeur est légèrement plus petite, donc par exemple, le 1,5, ça peut être 0,3, mais ça signifie que l'univers, il va partir en expansion indéfinie. Si c'est légèrement supérieur à 1,5, par exemple 0,6, ben l'univers est trop lourd et il va plutôt, à un moment donné, s'écraser sur lui-même. Donc il faut bien, comme on dit, la bande critique, on a une valeur critique. Ce 0,5 est aussi une valeur critique. C'est ce qui se situe entre un univers qui va s'écraser et un univers qui va s'expandre. 1,5, l'univers, il peut se stabiliser. Voilà donc une autre raison qui donne de l'importance à notre valeur de 1,5. Nous avons une autre valeur qui est 3,5, 3 sur 2. Alors celle-ci, c'est ce qu'on appelle en musique la quinte. Alors ça n'a rien à voir avec la quinte de tout. C'est plus une musique. Et là, c'est pareil, ce 3,5 apparaît régulièrement dans mes équations. Nous avons la constante de structure fine. Alors là, je répète pour tout le monde, la constante de structure fine. Voilà. Ça concerne la physique, encore la physique atomique. Et cette constante, on en a parlé dans la première émission, on en reparlera encore et encore, elle concerne uniquement après le Big Bang. Ceci n'a rien à voir avant le Big Bang. Donc puisque nous ne sommes plus en mathématiques, nous sommes en physique. Ça sera dans la prochaine émission. Très bien. Nous avons une valeur, la valeur de E, petit e, qui vient donc encore des mathématiques. Alors, ceci, elle ne concerne que après le Big Bang, mais avec l'idée que maintenant l'univers, il va entrer en expansion. L'avantage de traiter cette expansion de l'univers avec la valeur E, eh bien, c'est de dire que cette valeur E traduit des séquences d'expansion de l'univers. Cette expansion de l'univers ne se fait pas finalement en continu, mais de façon discontinue, c'est-à-dire par saccades. Comme des soubresauts, on va dire. Voilà, des soubresauts. Alors, j'ai amené avec moi donc un ballon. Alors, voici une expansion en continu. Vous avez vu, d'un seul coup, le ballon a pris du volume. Ensuite, une expansion, mais par à-coup. On appelle ça, nous, par saut quantifié. D'accord. Alors, je vais essayer de faire le mieux que je peux. Je pense que tout le monde a compris que ça s'est fait. Ce volume, il a été atteint en trois phases. Et ça se fait en quatrième phase, cinquième, sixième, jusqu'à une certaine valeur où l'univers devient statique. Donc, nous avons parlé donc de la valeur de 1,5, avant et après le Big Bang. 3,5, on ne sait pas trop si c'est avant, mais en tout cas après. La valeur de alpha après le Big Bang et le E après le Big Bang. Donc vous voyez que cet univers, au moment du Big Bang, eh bien, il y a des valeurs qui s'appliquent avant et d'autres qui s'appliquent après. Maintenant, sur ces valeurs-là, sur cette énigme, on encourage eh bien, chaque chercheur, chaque personne qui aime les mathématiques à aller plus loin par rapport donc, à ce qu'on vient de dire. Ce qui est important dans mes équations, et là j'insiste d'une manière assez sérieusement, dans mes équations, on en a parlé qu'il y en avait 300 et 400. Dès le début, lorsque je voulais construire mon modèle, le New Big Bang fractal, je me suis interdit d'introduire des paramètres libres, ou ce qu'on appelle des paramètres à la main. Parce que quand on fait un modèle d'univers, c'est légitime de vouloir faire un modèle d'univers, mais si déjà on connaît certaines valeurs par rapport aux observations, on peut très bien avoir des équations et forcer les équations pour que on atteigne pour que ça fonctionne. Je me le suis interdit. D'accord. Parce que je suis parti du principe que dans cette constante de structure fine, il y a des valeurs, des paramètres qui concernent notre univers. Oui. Si on commence par forcer les équations, là, on va trahir la nature et on va lui donner un langage qui n'est pas le sien. Donc, interdiction d'introduire des paramètres libres ou, comme on dit, à la main.
D'accord, très bien. Ça, c'est l'avantage de mes 300 équations, mes 300 à 400 équations, d'où cette valeur de 1,5 qui revient donc par vraiment donc récurrence. C'est très, très récurrent. D'accord. Est-ce que j'ai répondu à votre question par rapport à cette valeur de 1,5, par rapport à son énigme Maintenant, est-ce qu'on peut parler du temps, puisqu'on dit que dans la littérature scientifique, on nous dit que le temps n'existe pas. Ça veut dire quoi, au juste? C'est vrai. Alors, ça interpelle. Hein. Oui. Ça interpelle. Surtout, on se met à la place de celui qui n'a pas une formation scientifique. Mmh. Puis, on se met à la place de celui qui fait le livre, qui dit ça parce que peut-être il l'a trouvé ailleurs. Et c'est vrai que textuellement, on dit « le temps n'existe pas ». Voire même « l'espace n'existe pas ». Finalement, l'espace-temps n'existe pas. Alors, c'est très, très, très perturbant. Ça perturbe quelqu'un. C'est étonnant alors, pour un humain, oui. En quelques mots, quand on dit que le temps n'existe pas, alors en physique, ça a un sens. Que le temps n'existe pas, que l'espace n'existe pas. Mm-hmm. Parce qu'en laboratoire, on arrive à créer maintenant des expériences, mais toujours dans le microcosme. Mm-hmm. On crée des expériences où tout simplement, on fait interagir deux particules, deux photons, deux électrons, deux protons. On les fait interagir. Alors, qu'est-ce qu'on dit par interagir? On prend ces deux particules et on les... C'est comme si les deux particules se saluaient, se touchaient la main. Donc, ils se sont touchés. Mm-hmm. Ils viennent d'interagir. Et puis après, on les sépare. Séparer entre guillemets, parce que c'est bizarre ce qui se passe après. Eh bien, quelle que soit la distance qui va les séparer, ces deux particules, si on en tourne une à droite, l'autre, elle tourne à gauche. Et vice versa. Comment une particule sait-elle à grande distance qu'une a tourné dans un sens, elle doit faire le contraire. Comment elles savent, à cette distance-là, ou à ce temps-là, que, eh bien, il faut tourner dans le bon, dans le bon sens? Et c'est ce qu'on ne comprend pas, parce qu'elles sont tellement distantes l'une de l'autre qu'elles restent, comme si elles restaient informées. C'est comme si elles étaient toujours liées. C'est comme si finalement, elle se tenait toujours la main. Voilà. Alors, ceci est valable aussi pour les très grandes distances. C'est ça qui est, disons, déroutant. Déroutant. Oui. Alors, il est vrai que, vu que les choses se passent d'une manière instantanée, puisqu'il y en a une qui tourne dans un sens et l'autre dans l'autre, et ça se fait d'une manière instantanée, eh bien finalement, qu'est-ce que dans le linéaire du temps, le passé, le présent, le futur, quand on dit quelque chose est instantané, c'est comme si le temps n'existait pas. Ça se fait à T0. D'accord. Les deux réagissent à T0. D'accord. Et ce qu'on dit pour le temps, c'est pareil pour l'espace. Mm-hmm. Alors je pense que le public a bien compris qu'il s'agit d'expériences physiques qui font que les choses ne se mesurent pas. Ça se fait de manière instantanée. Nous avons parlé donc du temps microscopique. D'accord. Nous allons passer maintenant au temps macroscopique. D'accord. Macroscopique. Macroscopique, celui qui concerne, par exemple, notre temps à nous, et aussi le temps, surtout de la relativité restreinte. D'accord. Qui est née en tant que théorie en 1905 par les travaux de Albert Einstein. D'accord. Donc le temps, selon Albert Einstein, et qu'on vérifie aujourd'hui, il est relatif. D'accord. Et vous entendez quoi par ce temps relatif? Alors, qu'est-ce que le temps relatif? Alors, pour que on puisse prendre des mesures dans le temps, il nous faut un repère. Oui. Et ce repère, il va tenir compte de quelque chose qui est physique, c'est la vitesse de la lumière. De la lumière. Eh oui. Alors, avant, on pensait que la lumière avait une vitesse instantanée. Oui. Alors, c'est paradoxal, une vitesse... Les phénomènes, on pensait que ça se passait d'une manière instantanée. Mm-hmm. Et puis après, on s'est rendu compte que la vitesse de la lumière est une vitesse limite, qui est de 300 000 km secondes. Et ça change tout. Ça change tout dans le temps. Puisque, par définition, si la lumière aurait une vitesse, en guillemets, donc indéfinie, instantanée, on vivrait tous au présent. Avec chacun le même présent, chacun le même futur. Mais le problème avec la vitesse de la lumière, on ne va pas tous, selon notre repère, avoir le même passé, le même présent et le même futur. Donc là, ici, le temps va perdre un peu de sa qualité de,
comment dire, de linéaire, il va devenir relatif. Alors, on va prendre un exemple très concret. Puisqu'on dit que la vitesse de la lumière est finie, à 300 000 km/s, on va prendre l'exemple qu'on regarde la galaxie d'Andromède, puisqu'elle nous envoie une lumière, par définition, puisqu'on la voit. Nous avons notre présent à nous, qui est 2018. On peut même dire le mois de juin, mais à la limite, ça ne change pas grand-chose. Et on regarde cette galaxie d'Andromède à 2 millions d'années-lumière de nous. C'est-à-dire que la galaxie d'Andromède qu'on voit maintenant, et j'insiste bien, maintenant, et qu'on voit dans le ciel, c'est notre présent. Oui. Mais est-ce que c'est le présent de ceux qui sont installés dans la galaxie d'Andromède? Vous voulez en venir? Ben non, forcément. Alors, très bien. Alors, on va prendre maintenant quelque chose d'encore plus concret. On va prendre quelqu'un qui est sur la galaxie d'Andromède et qui allume une lampe de poche. Ça nous semble le geste le plus banal. Cette lumière, nous, on sait que c'est une lampe de poche. On la reçoit en 2018. Nous, on va dire, on l'a reçue. Cette lampe, elle s'est allumée en 2018. Parce qu'on la voit en 2018. On dit, voilà, celui qui est là-bas, il a appuyé. Donc en 2018, dans le cas où la lumière aurait une vitesse, bien sûr, instantanée. Mais celui qui est dans la galaxie d'Andromède, qu'est-ce qu'il va dire, lui? Il va dire, mais je ne l'ai pas allumé en 2018. Non. 2018, il va dire, moins 2000. Alors, est-ce que nous sommes tous les deux d'accord sur le présent? Non. Le présent d'Andromède... Et son passé pour nous. Et notre passé à nous. Et ça peut se faire dans l'autre sens. Donc nous ne sommes pas d'accord sur le moment où on a allumé la lampe. D'accord. Donc chacun va donc découper son présent. D'accord. C'est ça. Et là, on rentre dans la relativité du temps. Pourquoi? Parce que la vitesse de la lumière est finie. Alors, maintenant, si on ramène les choses à notre échelle. Alors concrètement, souvenons-nous que cette lumière a une vitesse. Oui. Bien finie. Alors concrètement, puisque le public nous regarde... Je vous regarde, Esther, je vous regarde. Supposons que nous sommes à un mètre de distance. Je vous regarde à un moment précis, à un moment qui est mon présent, puisque mon repère n'est pas le vôtre. Si on met un axe 0 ici, un axe 0 là, on n'a pas du tout le même repère. Évidemment, le public va comprendre que ça va jouer sur des petites choses. Mais le problème est là. Je vous regarde à mon présent. Je vous vois tel que est mon présent. En réalité, ce que j'ai regardé à mon présent, c'est votre passé. Puisque la lumière qui est là, il a fallu du temps pour arriver à moi. Bien sûr. Et si ça arrive à moi, par exemple, à 10 heures pile, c'est mon présent à moi. L'image que je vois d'Esther, en réalité, à mes 10 heures pile, c'est une image qui est partie à 10 heures, on va dire, moins une seconde. Ouais. Pour prendre un exemple très concret, parce que là, il s'agit plutôt de fractions de... Deux secondes. Conclusion. Chacun a son repère, ne voit jamais le présent en réalité, de ce qui se passe à l'extérieur. Il voit toujours le passé. Et la meilleure machine à remonter le temps, bien sûr, c'est notre univers. Puisqu'on dit toujours que regarder loin, c'est regarder dans le passé. D'accord. Donc, la question qui va intéresser beaucoup de nos auditeurs. Moi, la première, parce que j'ai toujours adoré les films où on parlait de machines à remonter le temps. Je vois arriver. Alors, est-ce qu'on peut remonter le temps ou alors se promener dans notre futur? Par exemple, comme la trilogie des Retours vers le futur. Donc, le fils retourne en 1955. De 1984, il passe en 1955. Sa maman tombe amoureuse de lui. Il fait tout pour que ses parents se rencontrent. Parce que s'ils ne se rencontrent pas, comme le dit le film, il est effacé de la réalité. Alors, faites-moi plaisir, dites-moi qu'on peut voyager dans le temps. Eh bien, je vais décevoir. Je vais décevoir. Non, parce que 1955, c'est l'année de ma naissance. En plus. mais en plus, pourquoi c'est pas physique dans le sens concret du terme? Parce que ça fait naître de drôles de paradoxes. Bien sûr. Ce fils, si j'ai bien compris votre histoire, parce que moi, franchement, je n'ai pas vu vous ce film. Pas vu. Moi, je ne suis pas très attiré par ce type de... Oui. Moi, je suis physicien, je calcule dans le concret. Bon, voilà. Donc, après, c'est des goûts et des couleurs. Peut-être que là, vous nous avez envie d'en voir. Alors, du coup, ce fils, si j'ai bien compris, et si je me trompe, vous me le dites, ce fils, il rencontre sa maman. Parce que lui,
On a fait l'hypothèse qu'il est remonté dans le temps. Voilà. Donc lui, il sait que c'est sa mère. Oui, mais elle ne sait pas que c'est son fils. Voilà, si j'ai bien compris. Donc elle ne sait pas que c'est son fils. Non. Et il y a un lien amoureux. Voilà. Entre un homme et une femme, voilà. On va dire comme ça. Ah oui, et là, vous vous rendez compte le paradoxe. Parce qu'à la limite, le fils, il va empêcher que sa mère se marie. Sans le vouloir, bien sûr. Bien sûr. Mm. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait là, lui Il n'existe pas. Il n'existe pas. Alors qu'il existe. Oui. Donc, existe-t-il ou il n'existe pas? Ah ben, il faut qu'il fasse tout pour que ses parents, voilà. soient ensemble pour que lui puisse naître. Voilà. Alors, dans l'hypothèse où... Alors, c'est ce que j'ajoute. Dans l'hypothèse où il empêche qu'il se marie. Et même dans l'hypothèse, attendez, on va pousser la chose plus loin. Dans l'hypothèse où il se marie, vous ne pensez pas que ça crée des incohérences comme c'est pas possible? Voilà. Non, donc, on est dans un paradoxe, et par définition, qu'est-ce qu'un paradoxe? C'est quelque chose qui va contre la logique, voilà. et ça mène des phénomènes contradictoires. Donc, j'empêche un mariage, je ne devrais pas exister. Donc un voyage dans le temps, c'est juste une question d'imagination. Et voilà. mais attention, on n'est pas dans le plan imaginaire. Hein. Non. Voilà, c'est très bien. Bon, je pense que le public a compris que voyager dans le temps, c'est vrai, c'est un joli mot, mais on ne peut pas voyager dans le temps... Nous, on le comprend. Hein. D'accord. Très bien. Bon, on va passer alors à la question enfantine, puisqu'on a terminé notre émission se termine. Et j'avais promis que ce serait sur l'arc-en-ciel. Alors, parlez-nous de l'arc-en-ciel. Ah, pourquoi toutes ces belles couleurs? Pourquoi la forme de l'arc-en-ciel? Et là, on n'a pas besoin de remonter dans le temps. Dans le temps. Hein. Alors, j'ai préparé un petit tableau. Alors, qu'est-ce que l'arc-en-ciel? Alors... Pour l'instant, on ne s'occupe pas de la partie du haut, parce qu'en général, l'arc-en-ciel, nous, on n'en voit toujours qu'un arc. Oui. Ce qu'on appelle l'arc primaire. Mm-hmm. Alors, il arrive que de temps en temps, on voit un arc qu'on appelle secondaire. Alors, pour parler que de l'arc, donc de l'arc-en-ciel primaire, on constate que, tout d'abord, il faut qu'il y ait des gouttelettes. Il faut qu'il y ait un soleil. Oui. D'accord ? Et l'interaction entre le soleil et les gouttelettes d'eau qui sont dans l'atmosphère, ça va produire un arc-en-ciel. Et dans cet arc-en-ciel, il va y avoir des couleurs. Nous, on a vu les couleurs de l'arc-en-ciel. Mm-hmm. Mais si on regarde, enfin, si on voit plus que regarder, si on va observer, prendre le temps, justement, prendre le temps d'observer l'arc-en-ciel, les couleurs ne sont pas disposées n'importe comment. Non, effectivement. Voilà. Alors, ça, c'est un schéma, bien sûr. Hein. Parce que là, je ne peux pas mettre le violet, et je ne peux pas mettre non plus l'infrarouge. Mais on va dire tout simplement qu'il existe d'abord, ici, à l'intérieur de l'arc-en-ciel, eh bien, ce qu'on appelle la couleur bleue. Au milieu, on passe le jaune, hein, il y aura le vert, et ça se termine par le rouge. Mais c'est toujours dans le même ordre. Toujours dans le même ordre. Pourquoi? Parce que la nature, elle a horreur du désordre. Elle va ranger les rayonnements du soleil par ordre, après on peut dire par le haut, par le bas, ou par le bas, par le haut. Alors l'image que j'aime bien, c'est quand on veut prendre la photo d'une grande famille, est-ce qu'on va mettre les petits derrière et les grands devant? Non, c'est on n'aime pas. Oui. Pour que la photo soit acceptable pour tout le monde, oui. Sinon on peut dire, mettez-vous comme vous voulez, je prends une photo. Ça peut se faire. Ça peut se faire aussi. Ça peut se faire aussi. Bon, mais elle sera chaotique. Oui. Hein? La nature, elle n'aime pas le chaos. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire les petits devant, les grands derrière. Et le photographe va dire, attention, pour toutes les photos qu'on va faire, il ne faut pas que je le répète à chaque fois. À chaque fois que je dirai photo, il faut que tout le monde se dispose de la même façon. Les petits devant et les grands derrière. Comme ça, on voit que les rayons du soleil, les couleurs, vont toujours se disposer, alors nous on va dire maintenant en termes plus physiques, hein, on voit les petites longueurs d'onde qui se traduisent par des énergies très fortes, les moyennes longueurs d'onde par des énergies moins moyennes, mm-hmm. et puis les rouges, les cools. D'accord. Les cools. Donc ça veut dire qu'on a les petits, les moyens et les grands. Ils sont bien disposés, on prend là. On peut prendre la photo. On peut prendre la photo. D'un bel arc-en-ciel. Voilà. C'est le même principe avec ce qu'on appelle après l'arc-en-ciel secondaire. Mais il est plus atténué. Les couleurs sont moins évidentes. Parce que là, il y a du concentré. Et là c'est du dilué. Mais regardons bien
l'arc-en-ciel secondaire, c'est l'inverse du premier. Au lieu de commencer ici par le bleu, il commence par du rouge. Par le rouge. Et il se termine par, le bleu. Oui. Bon, et là, on va mettre les grands devant, les petits derrière. Parce que la nature, elle essaie toujours de trouver une symétrie. De toute façon, on nous dit, soyez pas déçus, vous avez le primaire. Oui. Voilà. Mais l'idée là, c'est que c'est toujours mis dans le même ordre. D'accord. Quand on regarde le primaire, il sera toujours comme ça. Le secondaire, il sera toujours comme ça. Bon, évidemment, comme il ne s'agit pas d'une photo de famille, la nature, elle, ça ne cause pas de problème. Mais c'est vrai que dans la réalité, ce n'est pas bon. On met les grands devant, les petits derrière, mm-hmm. ça ne marche pas. Mais la nature, elle nous contente. D'accord. Pour tout le monde. Oui. Maintenant, il est vrai, pourquoi un demi-rond ? Oui, pourquoi un demi-rond ? Pourquoi la moitié de l'arc ? Oui. Il nous manque l'autre moitié. Eh bien, justement, la table, elle nous sert de référence. La terre, les prairies, les vignes, nous empêche de voir l'autre moitié. Si on pouvait enlever la terre, on verrait l'arc-en-ciel rond, en entier. D'accord. C'est le sol, c'est le terrain, c'est la vigne. Qui empêche cet arc-en-ciel d'être entier. Voilà. Alors, vous voulez une preuve que l'arc-en-ciel, oui. il est en réalité, il est rond. Oui. Mais la terre nous empêche de voir l'autre ouais. moitié. Eh bien, il suffit de monter dans un avion, oui. de prendre de l'altitude, et c'est après... En altitude, s'il y a un arc-en-ciel, on le voit en entier. En entier, parce qu'il n'y a plus le sol terrestre. D'accord. C'est bon ? Impeccable. Bah, je pense que les enfants auront compris. Et même les adultes, je pense que l'explication... Je pense que là, les adultes, ils ont dû passer devant les petits. Alors, oui. s'il vous plaît, mettez les petits devant. Et les adultes. Et les adultes derrière. Merci. Monsieur Cosentino, merci. Encore un très bon interview. C'est toujours très intéressant de vous poser des questions. À la prochaine émission. Une troisième émission est en préparation. Ce sera avec plaisir qu'on vous retrouvera. Et moi, c'est avec plaisir que j'accepte vos invitations, hein, puisque voilà, tout cela se fait d'une manière, comment dire, chaleureuse, sympathique. Voilà, on essaye d'être réveillé le plus simple possible, mais aussi le plus crédible aussi. Crédible aussi, et culturellement intéressant. Ouais. Parce que vraiment, c'est vrai, on a affaire à un public de 7 à 77 ans. Je ne veux pas dire le chanteur en question, hein, parce que oui. c'est un très bon chanteur, hein, mais il faut canner pour tout le monde et contenter oui, tout le monde. Il faut avouer que c'est agréable, mais c'est un énorme défi. Oui. Hein. C'est pour ça que bon, les termes scientifiques, je veux bien les utiliser, mais je rassure ce public que lorsque j'emploie des mots techniques, nous avons ici présente Esther qui canalise donc mon savoir pour que ce soit digeste pour tout le monde. Hein. Eh ben, voilà, écoutez, j'essaie en tout cas. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt. On se donne rendez-vous à une prochaine Avec plaisir. Émission. Merci beaucoup. Au revoir. Eh bien, nous pouvons conclure notre émission dans le parc du château, la pluie nous ayant laissé un petit répit. Donc nous avons vu aujourd'hui eh bien, le temps avant et après le Big Bang. La prochaine émission aura pour thème l'espace avant et après le Big Bang. Alors je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur une petite option où vous aurez le menu de nos émissions et vous pouvez également poser vos questions à Monsieur Mario Cosentino qui se fera un plaisir de vous répondre. Voilà, notre émission est donc terminée. Merci de l'avoir suivie et en attendant la prochaine, eh bien, gardez bien la tête dans les étoiles. À très bientôt.